Ah, quand même, essayer de se la faire cette course quand même. Ah, mais oh. Oh bah non. On va où là? Putain, on va où? On va où? Oh là 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 là. Oh là là là. Et à chaque fois, je me plante, à chaque fois. C'est dingue, hein? Putain. Et là, y a rien pour indiquer. Hein. Putain. Et là, y a pas de carte, y a rien. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Putain, mais je rêve. Je rêve quoi. Juste pour une pour un caillou quoi. Putain, je rêve.
Oh non. Oh non. Oh là là. Oh non, mais là. Putain. Oh non, mais là, je suis poisseux, hein. Là. Oh, attends, il prend. Ça passe même pas le téléphone en bois, là. Oh, ouais. Bon, bah là, tu vas pouvoir te faire plaisir. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là, je rêve. T'en fais pas, je peux suivre le rythme. Oh là là. On va où, là, on va où là. Oh là là là. Oh non. Oh non. Oh. Thank you.
Oh putain. Pas près de la faire celle-là. Hein. Écoute, t'as du talent, c'est vrai. Mais y a pas que le talent qui compte. Tu vois, pour arriver au top, tu vas avoir besoin de moi. C'est clair. Moi, je peux t'aider à réaliser ton potentiel, mais seulement si on bosse ensemble, ok? Parce que si t'essaies d'y aller en mode solo, bah c'est mort. Ce que t'as fait jusqu'ici, c'est pas mal, tu vois. Mais juste pas mal. C'est tellement pas suffisant pour la suite. Faut que tu t'améliores. Faut toujours chercher à s'améliorer, tu m'entends? Parce que là, maintenant, ton maximum, c'est pas assez. Y'a qu'en bossant avec moi que t'arriveras au top. Peu importe ce que disent les autres. Ouf. Bon. Bon allez. Alors j'arrête pas de le dire ce Médiffusion, j'arrête pas. Mais je vais peut-être me répéter encore, hein, mais je me répète, pas grave. Dans maintenant une heure quasiment. Je suis très fier de cette course. C'est moi qui en ai eu l'idée et j'ai pratiquement tout organisé moi-même. Comme le rallycross est né en Europe, on va faire la course avec seulement des voitures européennes. C'est pas trop génial, franchement. Dans maintenant une heure, normalement, je devrais pouvoir jouer à Gears 5. Thank you.
Alors, je sais pas si vous avez des informations sur... Peut-être une information d'un minute. Peut-être. Disons que Gare aux Foires, on peut jouer maintenant. Peut-être. Enfin, peu importe l'information, si vous avez quelque chose. Petite information. Une petite information pour savoir. Petite information, quoi. Moi, normalement. Enfin, moi, l'information que j'ai vue sur le marché Xbox Live. Enfin, si le marché, ils disent pas n'importe quoi. Normalement, c'était écrit sur le marché Xbox Live qu'on peut y jouer à 9h. Ah bon. J'imagine que c'est pas 9h pile poil, mais bon, à 9h quoi. Et donc voilà. Ou sinon c'est pas grave, au pire. Au pire j'attends demain et puis c'est tout. Je vais pas non plus en faire tout un. Pas un problème. Par contre, ce que j'ai hâte de jouer, c'est à Borderlands 3. Ça, par contre, j'ai hâte. Ça, par contre, Borderlands 3, j'ai hâte, par contre. Ça. Ça, par contre. Évidemment, pour bien faire Borderlands 3. Évidemment, pour bien faire, Borderlands 3 ne fait pas partie du Game Pass. Évidemment. Je suis même pas sûr qu'il fasse partie du Game Pass Ultimate. En tous les cas, ce que je voyais jouer avec, en tous les cas, son mixeur, il joue plus. Hein. Il est là. J'ai regardé tout à l'heure, là, il n'y a plus vraiment qui joue. Ouais, c'est comme ça qu'on fait! We'll be right back.
Oh là là, mais non. Oh là là. Putain, les barrières de sécurité, elles se cassent pas. Je fais tout ce que je peux pour que tout ça devienne légal. Parce que si ça change pas, la communauté va en souffrir. Il y a trop de...
problèmes potentiels. Prise de tête avec la police, amende, peine de prison. Sans parler des accidents et de ce qui va avec. Personnellement, je vois ça comme une évolution positive pour tout le monde. Et tu penses pareil, non? Aucun pour celui-là qui a une information sur Guerre 5. Savoir si par hasard il aura entendu quelque chose sur Guerre 5. Repoussé à je sais pas quand. À je sais pas quand. Si éventuellement quelqu'un a entendu des informations. Pour ma part, ça me surprendrait pas. Mais bon, ça serait un petit peu injuste par rapport à ceux qui... Ça serait un petit peu injuste par rapport à ceux qui ont joué... Par rapport à ceux qui ont joué ce week-end, même la semaine dernière. Parce que apparemment, c'est même pas apparemment. Il y en a un sur Twitch qui m'a dit que avec le Game Pass Ultimate, il y en avait qui ont joué mercredi. Mercredi de la semaine dernière. Que ceux qui n'ont pas le Game Pass Ultimate attendent 9 heures pour y jouer. Sachant que le jeu, il était prévu de sortir aujourd'hui. Déjà, rien que ça, moi ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Parce que à ce moment-là, ceux qui avaient le Game Pass Ultimate, t'as le Game Pass Ultimate, t'as l'avantage d'y jouer. Quelques jours, 3-4 jours avant, enfin même une semaine avant la sortie. Mais c'est un peu dégueulasse quoi. Moi, ce que j'aurais fait un truc, voilà, pour que tout le monde puisse en profiter. Mais le même jour, quoi. Parce que là, c'est un peu dégueulasse, quoi. Après, je dis ça. Mais moi j'aurais fait un truc comme ça quoi. J'aurais fait un truc pour que tout le monde puisse en profiter au même moment quoi. Parce que quand on y pense bien, cette connerie de Game Pass Ultimate là, c'est uniquement pour que Microsoft il se fasse du fric hein. Comme d'ailleurs je l'ai dit à Doyle Prince sur Twitch hein. Ils font ça pour se faire du fric hein, pour se ramasser du fric hein. Parce que quand tu regardes bien, c'est que pour ceux qui payent mensuellement. Hein. Qui payent leur Xbox Live. Moi, je le paye par an. Je le paye annuellement, moi, mon Xbox Live. D'autres, bon, bah, le payent. D'autres le payent, bah. Le payent, voilà, quoi. D'autres le payent, bah. C'est pas mensuellement qui le paye, c'est. Annuel, quoi. Mais bon. Annuel, mensuel, hein, c'est un peu pareil. Pardon, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait pareil, c'est pas le même prix non plus. C'est pas le même prix. Oula, j'ai foiré. Oula, oui, j'ai foiré totalement. J'ai foiré.
Je reviens, je vais aimer les miens. Mohamed. Bon, écoute, on aime tous essayer de nouveaux trucs, mais freestyle, ça veut pas dire débile. Si tu veux tester une nouvelle figure, c'est ton droit. Et on est tous derrière toi. Mais piloter un jet sprint en haute mer, c'est juste irresponsable. Enfin, je dis ça, c'est pas pour ça qu'il y a pas des gars qui l'ont déjà fait ou qui le font plus tard. En résumé, avant de dépasser ses limites, c'est important de savoir où elles sont. C'est bon. Ah. Parce que je croyais que ça allait être radar au niveau du bateau. Ah.
Ça a l'air de surprendre quelques-uns que je diffuse sans cam sur... Que maintenant je l'ai fait sans cam. Ça a l'air de surprendre. Mais bon... Salut le Stig. Ah bah ça va. Ça te choque pas toi que je joue sans cam? Le Stig. Attends, je suis con. Ah bon? Quoi? Ah ouais bah... Oula. Oh putain, je me casse la gueule. Oh putain. Non, tu sais pourquoi j'enlève la cam? Parce que j'ai remarqué un truc. C'est que... Oh putain. C'est que... Attends. J'ai à parler. C'est que quand je diffuse avec la cam sur OBS, enfin sur mon PC, j'ai l'impression que ça... Bon, après c'est peut-être moi qui me fait des idées, mais... J'ai l'impression que ça me prenait de la connexion. Ça me prenait de la connexion. J'ai l'impression que ça me prenait... Et puis bon, entre nous, le Stig, avec ou sans cam, avec ou sans caméra, j'ai pas plus de monde, hein. Pas. Sur Mixer, je précise. Je fais une petite précision sur Mixer. Parce que sur Twitch, le fait que je la mette plus ma cam, j'ai personne qui se follow à moi. Je suis sûr que si je mettais ma cam et que... Parce que... Tu sais, c'est beaucoup sur le physique. C'est con, hein, ce que je dis, hein. Mais... C'est beaucoup sur le physique. Le mec, il va plus te juger sur ta tronche que ton jeu. Or que quand tu joues, tu joues. C'est pour ça que j'ai mis en titre. C'est pour ça que j'ai mis en titre sur Mixer et sur Twitch, pareil, j'ai mis en titre, j'ai dit après tout, ce que vous voyez, c'est le jeu, pas moi. En fait, j'avais l'impression qu'il s'intéressait plus à ma tronche qu'à mon jeu. Donc, moi, pour ma part, que ce soit Mixer ou Twitch, j'en vois qu'ils diffusent sans caméra. Parce que, bon, ils savent très bien comment les gens ils sont, hein, ils sont... Des fois, il y en a qui sont très méchants. Et voilà, et le fait de plus mettre ma cam, j'ai l'impression que comme ils voient pas ma tronche, bah ils voient mon jeu, c'est le but, hein, de la diffusion, c'est le but. Et comme ça, tu vois, ils se permettent pas de se foutre de ma gueule sur mon physique, etc. Tu vois. Voilà. Par exemple, toi et Zitoun, en caméra, vous passez bien.
Parce qu'on vous voit conduire avec le volant, c'est bien, c'est bien, vous passez bien. Moi, en caméra, la dernière fois, j'ai essayé de la rebrancher et de la mettre de faire un zoom sur moi, un zoom sur ma tête. Bah, déjà que moi, personnellement, j'aime pas qu'on voie de trop près, parce que j'aime pas ça. J'ai jamais aimé qu'on voie de près. J'ai jamais aimé ça. Et voilà. Et le problème, c'est que ce soit Twitch ou Mixer et même YouTube, hein. T'en as, ils vont te juger pas sur le jeu auquel tu fais, pas sur ta façon de jouer, mais ta tronche. Voilà. En fait, la cam, c'est presque une arme. C'est presque un pistolet, ou un flingue, ou ce que tu veux, qui est armé, et qui peut se retenir contre toi. Le fait de ne plus mettre la caméra, voilà. Ils voyaient mon jeu. Ils voient que j'ai un micro parce que je parle avec, parce que je parle. Je leur parle quand ils m'envoient un message. Et puis voilà. Tu vois un peu le truc. Bah oui, je sais. Mais il y en a beaucoup plus que tu peux le... Il y en a beaucoup plus que tu ne le crois. Il y en a beaucoup plus que tu ne crois, le SIG. Sur Mixer, il y en a une tripotée. T'as même pas idée à quel point. Tiens, on va essayer de faire ça en moto, tiens. T'as même pas idée à quel point. Tu crois que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Ouh là là. Non. Ouh là, ouh là là. Pas de bonne idée. Hein. Si, tu crois? J'aurais peut-être dû prendre une crosse. Je crois qu'on va arriver à 920. Tiens, un exemple, Stig. Je sais pas si tu regardes l'autre là, ça s'appelle Cutie. Non, pas Cutie aussi. Cutie. Eh ben elle, Cutie. Depuis que je la vois. Je la regarde, on va dire, furtivement. Mais elle, tu me diras, c'est une fille. Bon. Enfin, peu importe. Eh ben. Elle diffuse sans la caméra, et quand tu vois son nombre de spectateurs, elle en a plus que moi. Elle en a 14, 15, je sais plus combien. Enfin, tu vois. Je suis sûr que si elle mettait sa caméra, je suis sûr et certain que c'est pas. Qu'elle est loin d'être Miss Monde, ou même Miss Univers. Je suis sûr que si elle met sa caméra. Waouh! Tu vois un peu le truc, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Je suis sûr que si elle met sa caméra un jour, vu la mentalité, comme tu le dis, de ces gens-là, bah, pouf, voilà. Tu vois un peu le... Ah bah ouais, bah moi ma nouveauté c'est de plus me voir. Ou enfin une nouveauté
Ouais. On va dire que c'est un sujet épineux. On va dire ça comme ça. C'est un sujet épineux. On va dire ça. Ok. Merci d'être passé le signe. Puis amuse-toi bien sur Projet 15. J'ai vu que tu. Enfin j'ai reçu une notification comme quoi tu jouais à Projet 15. J'ai vu ça sur Microsoft. Enfin bref. Bon alors. Bon, ça c'est bon. Encore un truc là, tiens, fuite. Hop là. Ah, c'est pas si mauvaise idée que ça hein, de prendre la moto. Hein. C'est bon, nickel. Et quoi ça? Mais c'est vrai que le fait que je mette plus ma cam, ça comment dire, c'est peut-être con ce que je dis hein, mais bah, tant que les gens jugeront les autres sur le physique et pas sur ce qu'ils sont, tant qu'ils nous jugeront sur la physique
sur le physique du moins. Tant qu'ils n'auront pas compris que c'est pas le physique qui fait le streamer, et que c'est la mentalité du streamer qui fait que, tant qu'ils n'auront pas capté ça, ah quoi. J'ai pas une crosse en moto. J'ai pas de crosse. Bon, on va essayer celui-là. Hein. Ah bah si, c'est une crosse, non. C'est ma championne. Une vraie star de l'off-road. Ah, j'ai trop hâte de devoir remettre ce hippie prétentieux de Tucker Morgan à sa place. Thank you.
Bon bah voilà, ça c'est bon, nickel. Trapax, c'est lui, Trapax. Trapzax. Ouais. Quoi dans mon Trapzax. Putain. Trapzax. Salut Trapzax. Ah, Doze. Salut Doze. Oh putain. Oula. Ah merde, quel con. Je m'en disais ça. Je m'en doutais de ça. Pas pourquoi, je m'en doutais de ça. Ah ouais, mais... Ah bah oui, mais je fais comment? Ouais, mais je fais comment moi pour Bon, bah voilà. Bon. Voilà. Bon, bah, il n'y a pas un truc à faire. Parce que là, Doze. J'attends qu'il soit 9h pour jouer à... Ça s'appelle... À Guerre 5. Je sais pas si tu connais Guerre 5. Et donc là... j'attends de 9h pour pouvoir y jouer, quoi. Bon, c'est un jeu qui sort aujourd'hui. Mais pour une raison qui me dépasse... pour une raison qui m'échappe, y en a qui ont joué au jeu la semaine dernière, mercredi, et là, pour un truc qui m'échappe, pour ceux qui l'ont téléchargé le jeu, en l'occurrence moi, à 9h. Donc s'ils sont à l'heure et s'ils ne sont pas trompés, normalement, dans 3 minutes, même pas dans. Ouais, dans 3 minutes, ouais. Normalement, je devrais pouvoir jouer à Guerre 5. Enfin. Si ce qu'ils ont dit est vrai, hein, parce que. C'est avec Microsoft, hein.
Donc voilà. Donc là je fais encore ça, puis après je vais arrêter, je fais une petite pause. Je vais faire une petite pause et puis voilà. Puis après je vais gentiment Mais c'est cool, ça me fait un challenge comme ça. Alors, si on se fie à... Si on se fie à... Comment on appelle ça? Si on se fie à ce que disent Microsoft sur leur...
Si on se base à ce qu'ils disent Microsoft sur leur site, hein, ils disent 9h. Bon. 21h. Bon, là, j'espère que ça va bien prendre en compte, hein, parce que j'en ai marre de le refaire. En plus, machin, j'aime pas ça. Bon, voilà. Alors. Hop. Non. Ah, bah voilà. Guerre 5. Ah. Et bah voilà, nickel. Bon, je fais quoi? Je fais ma petite pause comme d'habitude? Ou je démarre directement sur Mixer machin? Je fais quoi? Bon, vous patientez juste un petit peu. Hein. Je juste le temps de faire machin, dormir après. Hein. Je suis heureux.